Ben voilà, on va faire une mise en service là sur un groupe, sur une PAC ARMEC. Donc, mais elle a un défaut, pourtant on a fait les contrôles de phase. Et il y a un défaut moniteur de phase. Pourtant on a mon collègue en fait il n'avait pas vérifié les phases et ça a créé un défaut. Alarme 03. Donc du coup après on a contrôlé les phases, donc là elles sont bonnes, mais on va pouvoir faire la mise en service. Par contre faut qu'on câble le sur KA3 le pressoste à manque d'eau. Voilà, donc on a mis une nouvelle PAC. Ça c'est la nouvelle PAC avec le réseau aller-retour, l'eau froide et le pressoste à manque d'eau qu'on vient de câbler. D'accord. Tac, il part dans la PAC. Il faut qu'on le câble au niveau d'une bobine qui coupe toute la chaîne de puissance en fait. Donc il me semble, on a regardé le schéma. Je crois que c'est KA02 qui coupe la chaîne de puissance. Donc il faut se mettre sur A2 au niveau de la bobine, enfin au niveau ici du bornier, qui correspond à ce relais là. Et après on le met en série en fait. Le pressoste à manque d'eau, on le met en série sur le bornier de la bobine qui coupe la circuit de puissance en fait. Voilà. Et là vous avez les compresseurs. Voilà, les compresseurs à l'intérieur.